avant le départ. Et bien, je vous parlais des équipes B. Après l'Atvala, se présente l'équipe Stuttgart, qui est en quelque sorte l'équipe B de Ford, avec le fils du préparateur, du team manager, Malcolm Wilson. Là, ce n'est pas le père que nous accueillons, bien sûr. Le père est à l'écoute. Mais c'est Mathias Wilson, le piston. Les pneus. Et donne quelques petits coups de volant pour chauffer les pneus. Car bien sûr, ce matin, la température est fraîche. La route est très glissante ici, on est sur du béton. Mais aucun problème pour ces quatre roues motrices à pont piloté. Et puis surtout pour ces funambules volants que sont nos pilotes de rallye qui de suite vont être à l'échauffement. Voilà, le fiston Wilson au départ dans quelques instants. Et bien sûr, on souhaite la bienvenue à nos invités. Welcome to Strasbourg. Du côté de Chalindrey, avec celui qui monte, qui n'arrête pas de monter,
célibataire, sous le goudron encore un peu d'apprentissage, mais ça va venir. L'autre Sébastien, autrement dit, Sébastien Ogier, vainqueur déjà de deux rallyes du championnat. Sébastien Ogier vient de se lancer avec la CEDAT. Et c'est déjà Marion Alpala qui vient de rejoindre pour son deuxième passage. Je vous rappelle qu'il y a quatre passages pour chaque concurrent. Donc ce sera un peu en ordre dispersé. Demain, ou dès cet après-midi plutôt, pour le passage Place Kléber sur le podium, il y aura un ordre bien spécifique, mais ici pour l'instant, ordre dispersé. Alors je rappelle qu'ils ne sont pas limités, il y a quatre passages minimum, mais peuvent en faire autant que vous voulez. Mais n'ayez crainte, ils vont quand même un peu économiser l'auto. Et je vois qu'on a déjà un peu mordu la terre, puisque la Ford de la Milatvala est déjà un peu maculée de terre. Sans plus attendre, je salue aussi bien sûr les nombreux bénévoles de l'équipe de base qui ont travaillé durant la préparation de cette épreuve. On dit simplement merci aux Hollandais avec sa Ford au départ. Et on accueille encore une Ford, mais pour lui ce sera ses premiers tours de roue ce matin avec Kai Kassimi, le pilote d'Arabie Saoudite. Vous voyez qu'on vient de très loin, je vous l'aurais dit, plus de 20 pays représentés aujourd'hui ici dans ce rallye du championnat du monde. CKWRC, très très entourée, la Citroën officielle. Voilà, vérification des pneumatiques et la voiture s'est lancée. Ici se présente sur la ligne de départ. Eh bien, c'est tout simplement celui que vous attendez. Dans quelques secondes, j'ai le plaisir de vous annoncer au départ Sébastien Loeb, le pilote alsacien, avec le sympathique Daniel Elena. Très, très photographié, bien sûr, Sébastien Loeb, qui se concentre ses premiers tours dans ce check-down. Un petit coup de frein dans le gauche pour chauffer les freins, qui bien sûr sont froids. Et c'est devant vous l'enfant du pays, actuellement en action, Sébastien Loeb et son fidèle navigateur, Daniel Elena. Beaucoup d'émotion de rouler aujourd'hui à Strasbourg, la région Alsace qu'il a connue bien sûr en tant qu'adolescent, en tant que jeune pilote. Il a fait ses premiers tours de roue avec l'équipe Ambition Sport Auto locale, avec le Peugeot Sport Strasbourg, la première année en 106 rallye, avant de passer au trophée Citroën avec l'équipe Ambition Sport Auto. De grands moments que je vous montrerai tout au long du week-end des 10, cet après-midi également. Place Kléber à partir de 16h pour l'animation et 18h pour les pilotes WRC. Place Kléber en fin d'après-midi, je le rappelle. Voilà, je salue également bien sûr les sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Strasbourg, hein, comme je l'ai fait pour l'équipe sécurité compétition des fidèles dans les compétitions automobiles. Pour vous, c'est un peu nouveau, ça change. Au niveau des pilotes, je connais la réponse.
moi c'est le. Voilà, c'est pas original, mais je le comprends. Voilà. Et bien en tant que Strasbourgeois, je vais dire le contraire, hein, bien sûr. Surtout que, comme dit au club Peugeot Sport Strasbourg, Alsace Motor, on a eu le plaisir de connaître les débuts de Sébastien Loeb, de l'aider avec nos petits moyens. Et ça a été une grande aventure. C'était un grand joueur dans la vie du club, de beaucoup de souvenirs. Aussi autour de Corse, qui connaît Laurie Montecarlo. Je fais quelques micros ouverts, hein, en toute amitié. Quelques micros ouverts tout au long de la journée. Jean-Michel Keller, donc l'équipe médicale, bien sûr, pour la sécurité des pilotes. Tout simplement, deux de grands champions aujourd'hui à Strasbourg. Quel plaisir, lorsqu'on est passionné de sport mécanique et plus encore de compétition, d'épreuves routières, autrement dit de rallye. Ah oui, tout à fait, on est ici dans notre jardin. C'était ici mon terrain d'entraînement quand j'étais jeune. Il lance la volée. On venait faire les fous tous les soirs parce que c'était des pépinières avec des petites routes. C4WRC en apprentissage donc dans rallye. Deuxième évolution pour l'Argentin Villagra. C'est donc son deuxième tour de piste pour notre ami Villagra. Il vient d'Argentine, champion d'Argentine. Allez Argentina, au départ. Et puis je salue nos amis de, bien sûr, de France 3, Alsace, Manu Götz, toute l'équipe rédactionnelle de France 3. Sa deuxième évolution, Sébastien Rocher également, après Villagra. Sébastien Rocher, deuxième, très très fort lorsqu'il s'agit d'improviser sur la terre, encore un peu en apprentissage sur le goudron. Sébastien Rocher associé à Ingracia avec la C4WRC, aujourd'hui dans l'équipe B. L'équipe préparée par PHSport. Elle sera suivie toujours en pneu intermédiaire prévu pour l'appui, assez découpé par le pilote d'Arabie Saoudite, Kai Kassimi. Le pilote espagnol, c'est bien sûr Dani Sordo, associé à son compère Valejo. C'est la deuxième Citroën de l'équipe officielle Citroën Sport. Dani Sordo, base Citroën, mais de nombreuses deuxièmes places. Et c'est un pilote très rapide sur goudron. Bien sûr, il sera chez lui au prochain rallye. Je vous rappelle qu'il y a 13 manches du champion du monde, nous sommes à la 11e. La 12e la 13e en Grande-Bretagne. Nous allons accueillir sur le circuit aujourd'hui, mais également bien sûr au micro. Il y aura des micros ouverts tout au long de la journée. Je voudrais déjà remercier de sa présence monsieur le préfet, monsieur Biche, qui est venu nous voir ce matin, tout de suite avant le départ de la spéciale. Vous savez que c'est aussi une lourde responsabilité pour ces différents serviteurs de l'État et hommes politiques qui ont permis la réalisation de cette manifestation. Je salue également Philippe Richer, président de région, également bien sûr Robert Herman qui représente. Robert Herman qui représente bien sûr M. Ries, maire de Strasbourg, que nous aurons l'occasion
l'occasion d'accueillir au micro pour de la tout au long donc, de la. Et bien après la force focus à la décoration très spéciale de l'américain Ken Block, qui aime bien, c'est un joyeux fêtard, hein, la décoration de cette focus est tout à fait à l'unisson par rapport à son personnage. Nous allons accueillir à nouveau une Citroën C4 pour sa deuxième évolution. Le numéro 1, autrement dit, Sébastien Loeb, Daniel Elena. Vérification des pneumatiques par les commissaires techniques. Vous voyez que le sport automobile, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est, tout est très réglementé, très préparé. Sébastien Loeb, bien sûr, qui va déclencher oh combien de photos aujourd'hui tout au long de la journée. Mais je comprends votre plaisir et je le partage. Amis spectateurs et amis officiels. Sébastien Loeb, Daniel Elena, avec la Citroën CKWRC. 6 titres de champion du monde, un 7e en marche pour le sympathique pilote alsacien. Mais aussi, vous le savez, ô combien sympathique et d'une grande simplicité. Et nous en sommes très heureux. Un homme, j'ai envie de dire, qui vieillit bien, qui reste simple, abordable. Ce n'est pas toujours le cas de la part de ces grands champions. Sébastien Loeb, Daniel Elena en piste pour sa nouvelle évolution. Amis spectateurs, c'est dans quelques secondes. Restez bien dans les autres spectateurs. Pas de déchets à terre, je compte sur vous. Soyez complices de l'organisation. Aujourd'hui dans ce check-down, demain dans les spéciales aurinoises, samedi dans les spéciales barinoises et la spéciale vosgienne.